Poolside. Salut tout le monde, c'est Borelli et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Minecraft version Xbox 360. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis en pack de texture ville. Donc d'habitude je suis en nature, mais là je me suis dit que pour faire ce changement, je pourrais essayer pour une vidéo. Donc bien sûr il y a quelques petites choses à modifier, comme justement ce bois qui est assez laid à mon avis. Donc on va le changer. Donc je vais peut-être le rétablir après, je sais pas encore. Mais on va faire la vidéo comme ça, puis après ça on verra. Donc je vais peut-être arranger quelques petits trucs pour voir si j'aime ça ou pas. Sinon après ça je vais le remettre en nature. Donc on va commencer la vidéo. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un magasin dans la deuxième partie de Minewood. Donc pour l'épisode de construction Minewood, épisode 2. Donc je vais juste aller dormir pour qu'on réapparaisse direct le jour. Alors je suis désolé si les paroles concordent pas 100% avec les images. Donc j'ai eu des petits problèmes avec ma capture vidéo. Donc j'ai fait ma vidéo tout et après ça le son de ma voix ne sortait pas. Donc j'ai été obligé de record ma voix par-dessus la vidéo. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc j'espère que ça vous frustre pas trop. Donc c'est ça. Donc, pour voir, j'ai fait quelques petites modifications comme changer les bordures de route. Et je vais venir vous montrer mon petit magasin de diamants que j'ai fait. Donc, je me rappelle que dans ma vidéo, où ce que je vous présentais pour la toute première fois mon monde, je vous disais que c'était un monde IRL, blablabla, avec un système d'argent. Ça peut encore être ça, mais il faudrait être énormément de joueurs. Donc pour l'instant ce n'est qu'un monde comme décoratif où ce que je vais faire des expériences sur des structures, je vais créer des choses, mais rien de plus parce que pour l'instant nous sommes très peu à jouer ici et c'est beaucoup trop grand pour ce qu'on veut faire. Donc j'ai créé un autre petit monde vraiment basé seulement sur le principe du monde IRL est vraiment peu esthétique, donc comme lui au tout départ. Donc si vous voulez venir jouer avec moi, je vous invite à venir. C'est vraiment que en survie, sauf une petite partie que j'ai déjà faite. Donc jusqu'à présent ça va être que en survie. Vous allez pouvoir ouvrir vos petits commerces etc dans ce monde. Donc c'est vraiment très très simple avec des petits terrains, des bâtiments en bois. Même l'hôtel de ville, c'est qu'un petit bâtiment en bois avec un comptoir, etc, etc. Donc ça, on peut voir que j'ai apporté quelques modifications pour me conformer au pack de textures. Donc ici qu'on va faire notre magasin. Donc ça devrait être assez cool. Donc ça va arrêter environ ici. Donc je crois que ça va frotter un peu sur la montagne, mais on enlèvera et on arrangera ça par la suite. Donc pour commencer, on va sélectionner nos blocs. Donc laine grise, laine noire que j'ai pas pris tout de suite, laine gris clair, laine gris blanche. Donc pour ce pack de textures, les laines sont quasiment de la même couleur, mais on peut voir des différences dans la texture. Donc comme vous voyez, celui-là, on voit la séparation de chaque bloc et lui, c'est vraiment plus des blocs tout unis. Donc c'est une des différences, c'est voulu, c'est pour pouvoir créer plusieurs types de textures, de bâtiments et créer des choses plus diverses. Donc ça a comme un peu remplacé la laine noire parce que maintenant la laine noire c'est de la brique. Donc c'est ça. C'est comme de la pierre, de la brique, hein, bref, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc, on va bientôt commencer ça. Je crois qu'il nous manque la vitre. Et c'est pas mal tout, je pense, des portes. Ouais, on va essayer les deux. Mais, ouais. Non, les autres sont pas belles. Donc, on va prendre les portes en bois.
Et voilà. Donc ça, on va cracher cela. Donc on va commencer. Donc pour l'instant, on va faire vraiment que la structure en bas. Donc on va mettre un bloc, vraiment juste pour se repérer, vraiment rien de plus. Donc on va venir positionner cela. Donc on va faire une action de symétrie. Donc 4 blocs, donc 2 blocs pour les portes du milieu et les autres blocs alentours pour mettre les fenêtres. Donc on va faire la même chose de l'autre bord. Là c'est sûr que pour l'instant, comme peut-être les 2-3 premières minutes, vous allez comme absolument rien comprendre de la structure du bâtiment. Parce que, dans le fond, je vais juste mettre des blocs à terre un peu n'importe où et dans ma tête ça se situe bien. Sauf que peut-être que pour vous, vous allez avoir beaucoup de misère à visualiser. Donc, c'est ça. Donc, je vais mettre ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ici, ça va être des fenêtres. Donc, alors, on va mettre une séparation en briques dans le milieu. Et ici, on va venir mettre de la latte blanche. Où est-ce qu'on voit les séparations? Pour créer comme un mur, un style de panneau qui va nous servir un peu plus tard. Donc ici on va venir supprimer quelques blocs pour nous laisser un peu d'espace. Et je sais pas qu'est-ce que je fais. Donc on descend. Et voilà. Donc c'est ça. Alors ici on va venir faire la même chose. Donc deux blocs, un bloc de pierre et deux blocs. Ici on va revenir faire un panneau, mais cette fois un peu plus différent parce qu'il va pas avoir exactement la même fonction. C'est un design, ça va être comme plus différent. Ici ça va être une grande vitrine, donc on va venir mettre juste une bordure de laine gris pâle. Et on va venir finir ça avec de la laine brune. Que je vais sûrement venir aller chercher très 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 bientôt. Donc direction de la laine brune. Et voilà. On vient mettre ça ici. Ah c'est parfait. Donc c'est ça. Donc ensuite on va venir surélever tout ça, donc donner forme à la structure. Alors vous allez pouvoir commencer un peu à comprendre le fonctionnement. Comme ma stratégie de construction. Donc ça, on va venir monter ça. Donc ici, c'est je me situe pour faire le toit, pour que ce soit une hauteur suffisante. Donc là, je fais ça, mais tout de suite après, je vais aller faire encore une hauteur plus haute. Parce que ça me convient pas. Donc, et voilà. En même temps, si vous voulez venir jouer avec moi sur ce monde, ce serait vraiment cool avoir d'autres idées, des points de vue différents pour créer des bâtiments, tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater, il me reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Dans le fond, ça serait comme jamais fini. Surtout ici, j'ai encore beaucoup de bâtiments à faire. Beaucoup de design à créer. Donc si vous voulez venir m'aider là-dedans, ce serait vraiment cool. En plus, vous pourriez apparaître avec moi dans des vidéos. Ça ajouterait beaucoup plus de dynamisme dans les vidéos, ça serait vraiment cool. Donc vous pouvez choisir votre parcelle de terrain. Créer des rues, aplatir des choses. Si vous n'êtes pas nécessairement bon pour créer des immeubles, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre, vous pouvez faire de la décoration intérieure. Comme moi j'ai un ami qui est vraiment nul pour créer des structures de dehors, mais pour faire la décoration à l'intérieur, il est extrêmement bon. Donc lui, je lui laisse tout le temps la tâche. Malheureusement, il n'y a plus de Xbox, donc il ne peut plus jouer avec moi. Mais bon. Donc vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. En autant que ça soit cool, que ça soit beau. Et ce serait le fun. Moi j'aimerais bien que vous veniez jouer avec moi. Vous pouvez m'ajouter, je laisse tout le temps mon gamer tag dans la description. Donc ajoutez-moi à votre liste d'amis Xbox. Et on va pouvoir jouer ensemble.
Donc si peut-être que vous êtes gêné, donc vous avez juste à m'inviter un groupe d'amis, je vais rejoindre. Vous allez peut-être être un peu mal à l'aise, comme allô, allô, mais ça va juste être drôle. Donc ceci étant dit, on va revenir pour parler de notre vidéo. Donc comme on peut voir, la structure est quand même avancée. Donc est-ce qu'on peut voir, on est rendu avec une structure quand même assez avancée, c'est cool. Donc ça commence un peu à ressembler à quelque chose, peut-être que vous avez un peu compris comment je construis mes bâtiments. Donc ça m'aide à placer les idées dans ma tête. En mettant tous les blocs à terre, après ça surélever ça. Finir avec, avec un peu de relief, des contrastes de couleurs. Les contrastes de couleurs aussi c'est assez important pour les bâtisses. Parce que si vous faites des bâtisses vraiment comme tout la même bloc avec une ou deux différences, c'est pas ça donne rarement un bon effet. Aussi les contrastes de profondeur. Donc mettre une partie du bâtiment plus profond, l'autre plus avancé. Donc vraiment créer des formes originales, ça donne toute la charme à vos immeubles. Par exemple, créer comme seulement un bloc de bois avec des moulures en bûche, remplir ça de planches à l'intérieur, comme j'ai déjà fait, et comme plusieurs font. En mode survie, honnêtement, c'est parfait parce que c'est simple à faire, c'est ce qu'il y a à peu près de plus beau à faire avec le moins de matériaux possible. Mais quand vous essayez de créer un beau monde, je sais pas si vous avez déjà voulu faire ça. Mais si vous avez déjà essayé de créer vraiment comme quelque chose de beau, ben il faut vraiment s'attarder sur le moindre petit détail. Comme la petite moulure noire dans le haut, les fenêtres, les contrastes de côté des fenêtres, plein de petits détails. Les matériaux, surtout les matériaux, qui peuvent vous aider à avoir à la fin un résultat beaucoup plus acceptable que si vous vous concentrez uniquement sur moi je fais un cube de bois, je divise ça à l'intérieur et ça fait mon bâtiment. Donc ça fait pas beau. Mais c'est encore une fois c'est très personnel. Moi je trouve que c'est beaucoup plus beau un bâtiment comme ça qu'un simple bloc fait en roche ou en planche ou en n'importe quoi. Sans aucun relief, sans aucun contraste, sans que quand on le regarde, on fait comme ah, ben cool, t'es capable de faire un cube. Donc, c'est ça. Donc, comme ça, on peut voir que c'est. Honnêtement, je sais que je suis pas le meilleur sur Minecraft. Je sais qu'il y en a qui font des beaucoup plus belles choses que moi. Mais je vais juste vous donner des petits conseils si ça vous tente d'essayer. Parce que je pense que je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis peut-être pas le pire non plus. Parce qu'on peut voir, on est rendu quand même avec une belle structure, ça commence à prendre forme. Donc ici, on va enlever ça. Et tel même que vers la fin, en fait, je vais vous spoiler ça. Je vais changer la laine grise par de la laine noire, donc des briques, comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc encore une fois, on va faire la même chose avec les fenêtres ici. Qui fait cool. Donc, est-ce qu'on peut voir, on est rendu quand même vraiment avec un beau début. Donc, la grande vitrine. Donc, ici, on va venir placer les vitres. Donc, je vais vous avancer ça pour vous épargner de regarder ça. Donc, et voilà. Donc, on est fini avec les fenêtres. Donc, est-ce qu'on peut voir, ça fait quand même beaucoup plus beau, un coup qu'on a mis les fenêtres. Donc, ça fait... Mon Dieu, qu'il y a des animaux ici. C'est incroyable. Donc, je crois que je vais les assassiner violemment. Mais non, je rigole. Allez, où tu meurs. Tu aussi meurs. Et voilà. Donc, ouais. Donc un coup les fenêtres mises, on commence à voir que la structure prend vraiment forme.
Donc ça commence déjà à être un beau début de magasin. Donc je vous dis pas encore ça va être un magasin de quoi. Parce qu'on peut vendre ce qu'on veut. Mais en fond, ça va être comme un peu de décoration là, avec des tablettes, etc. Comme les autres magasins, quoi. Donc ici, comme je vous avais spoilé tantôt, je change ça en brique. Donc on descend ici comme ça. Et voilà. On fait la même chose ici. Et une autre. Oh non. J'ai mis ça. Là je change d'idée. Là j'essaye ça. Ça marche pas non plus. Donc là je réessaye avec le bloc de la noire. Et c'est parfait. Ok voilà. Donc je crois que ça fait beaucoup plus beau comme ça qu'avec la laine grise foncée. Donc on va se ravitailler un peu en boisson énergisante. Je sais c'est des potions de vitesse. Donc si vous savez pas à quoi ça sert en fond, ça m'aide à aller plus rapidement pour une vidéo. Et dans le fond, c'est votre joueur qui fait juste comme avancer plus vite. Donc je vais compléter tous les murs de côté. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà. Donc nos murs sont complétés. Donc à ce qu'on peut voir, le magasin est quand même assez grand. Donc beaucoup de fenêtres sur la façade. Donc ici on va venir faire les portes. Donc en même temps on va pouvoir choisir le plancher qu'on va mettre. Moi j'avais déjà choisi le plancher en planche de bouleau je pense. Parce que dans ce pack de texture là je trouve que c'est un des seuls bois qui est quand même beau. Qui est assez conventionnel. Non, planche de chêne, désolé. Planche de bouleau c'est vrai j'avais dit que j'en avais pas. Donc on va venir installer ça ici. Donc, deux blocs pour accueillir la porte. Ici, on va mettre de la laine blanche parce qu'il va avoir des fenêtres. Donc, on veut pas que ça ait l'air laid. Donc, tantôt, quand je vous parlais de petits détails, c'est ces choses-là. Donc, ici, on va venir mettre ça. Parce qu'on peut voir, j'aimerais pas ça. Donc, je vais les enlever. Je vais essayer avec d'autres choses. Donc, je vais les remettre. J'aimerais pas ça. Donc je vais le renlever. Je vais remettre l'autre chose. Non, j'aimerais pas ça. Donc, est-ce qu'on peut voir, je change d'idée assez souvent pour cette vidéo. Donc, on revient au début. Donc, on refait la même chose ici, mais cette fois-ci, on va savoir directement quoi mettre. Alors, et voilà. On remet ça. Et puis finalement, j'ai comme un flash en mettant les portes et illumination. Je décide de remettre de la vitre partout. Voilà, quelle belle perte de temps. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Donc, est-ce qu'on peut voir c'est beaucoup plus beau aussi comme ça. Donc, ça sent bien, ça sent bien. On a quand même rendu avec quelque chose d'assez joli. Et maintenant, on va prendre de la laine bleue. Pourquoi de la laine bleue, vous allez me dire? À cause qu'on va faire le logo de la compagnie. Donc ça va être un seulement qu'un rectangle bleu. Donc c'est comme une enseigne pour afficher votre logo. Mais évidemment on est dans Minecraft donc les logos sont assez simples. Donc c'est pas vraiment un logo, c'est plus une pancarte pour mettre le nom de sa compagnie. Sauf que c'est décoratif donc on va mettre la pancarte et pas de nom. Et pour représenter la thématique de la compagnie, on va venir le refaire sur l'autre panneau. Qui se trouve juste ici. Donc on va l'agrandir un peu. Et voilà. Donc est-ce qu'on peut voir, la compagnie s'appelle Rectangle Bleu. Eh oui. Donc quand vous allez magasiner chez Rectangle Bleu, vous pouvez acheter n'importe quoi. Tout est en vente. Donc ici on va venir agrandir. Et ben non, ça c'est laid. Donc on va venir le détruire tout de suite. Et voilà. C'est parfait comme ça. Donc maintenant,
Je crois que c'est l'heure de mettre la dalle de quartz qui va venir faire le contour. Je vais venir ajouter encore une fois un effet de relief sur la bâtisse. Donc un autre petit détail qui pourrait être assez intéressant pour vous à suivre. Donc peut-être que vous l'avez remarqué, mais moi je fais pas beaucoup de bâtiments vraiment ancestraux avec énormément de détails et de grosses architectures et beaucoup de... Je fais plutôt des bâtiments contemporains, très modernes. Peut-être pas très moderne, mais quand même relativement assez moderne. L'architecture est pas très complexe, mais il suffit de réussir à la représenter comme il faut pour qu'à la fin ça donne un bon résultat. Donc ici on va rapporter ça, ici on va enlever ce petit bloc là vu qu'on est beaucoup trop collé sur la colline. Donc on va venir la faire juste ici. Et finalement on va réaliser que ça n'a pas de sens. Donc on va le repousser encore un peu jusqu'à la base pour à ce qu'on peut voir si après. Donc on va juste venir supprimer toute cette bande ici. Jusque ici. Et on va en rajouter un. Pop! Et voilà. Donc on a rajouté notre mouleur. Donc je crois qu'on arrive très bientôt à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé pour l'épisode 2 de Construction Minewood. Donc encore une fois, si vous voulez venir participer à la construction du monde, n'hésitez pas à m'ajouter à votre liste d'amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu pour me le faire savoir. Et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est gratuit, ça m'encourage vraiment à faire des vidéos. Laissez un commentaire si vous avez des suggestions. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo sur n'importe quel jeu vidéo, mais entre autres Grand Theft Auto 5 et Minecraft et Xbox 360. Donc je vous dis à la prochaine, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.